Bienvenue ici le Sty, bienvenue sur la chaîne de la luxure et la voilà, la vidéo surprise, promise, tant attendue par des millions de personnes. Eh oui, le Sty se relance dans du let's play superbe. League of Maiden, et oui, et vive les gros nichons. C'est un peu le résumé du jeu en fait. Voilà, c'est ça le résumé du jeu. Bon, difficulté normale, ouais, évidemment. On y va. Alors, c'est une early alpha, ce que vous voulez. J'en vais être en plein écran à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, on va tourner dans les settings, parce que je vais mettre déjà en full screen. Full screen 2K. Ok, alors je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce jeu. Je l'ai juste mis il y a très longtemps sur ma wishlist. J'ai vu qu'on pouvait jouer gratos voilà, sur Steam. Donc en early alpha, hein, c'est vraiment de l'early access alpha. Ça a été développé par trois gars. Ils sont trois les mecs, vous attendez pas à du gros triple A, du gros jeu. Et puis j'ai vu qu'il y avait une youtubeuse que je suis sur YouTube qui faisait du live dessus. Je me suis dit, tiens, ça y est, faut que je lance dessus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Attention, bringing the sexy back, ah oui. Humans. Ooh. The thirst and greed for power knows no limits. Oui. Is it? There's a force of immense power. If we can harness the energy from the stone, the United Nations can fight off any enemy. Foreign or domestic. But power can be so corruptible. Ouais, il est pas en français pour le moment, je crois. Enfin, je crois, mais pas. Encore une fois, l'équipe de 3, à mon avis, ils ont pas. Peut-être plus tard. Ah, ça fait mal. Not yet realize their use of the shards will bring about their damnation. Mais qui appelle-t-on pour sauver le monde? Eh oui. Des gros boobs. Killer, leur pouvoir est dans leur... Bon, bref. Ah non, le filtre mature est mis en... Sinon, monsieur YouTube, il va me défoncer la face. Ah, peut-être qu'il va me déjà défoncer la face. Hein. Peut-être que je ferai des vidéos sans filtre sur Odyssey, tiens. Je me demande comment il... Je me demande où en est leur politique sur les boobs chez Odyssey. Bah, il faudra que j'essaye. J'essaierai d'uploader une vidéo sexy, on verra si s'il me bouffe ma chaîne. Ah, il faut faire des tests, hein. The Warrior. Hello, friend. Ah, fantastique. The Assassin. Oh, l'assassin, eh oui. Alors, attends, est-ce qu'on peut tourner la caméra, là? Alors, sélectionnez une faction. The Assassin. Oh, alors, Divinian, ça c'est pas mal. Hein, c'est, l'assassin, c'est très discret. Très discret, c'est un assassin. Le healer, non, hors de question. Tank. The Sorceress. Ah, allez, sorcière, ça c'est plus mon truc. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Oh, très joli. Et ils sont où les nichons là? The healer. Oh, oh my. The Sorceress. Allez, sorcière Nesserian, c'est ce que je vais prendre, moi, tiens. Somebody else does, I'm sure. À difficulté hard. The Warrior. Such lovely smooth. Ouais, mais easy. I just wanted you to know somebody cares about you. The Tank. You. The Assassin. Mais en gros, ils disent que Tank, c'est facile. Smooth. Et soit c'est moyen, soit sorcière, c'est difficile. You to know somebody cares about you. Not me, but somebody else does, I'm sure. Bon, bah ici, on verra, on refera. Si c'est trop dur, j'y joue pas pour me prendre la tête. Si c'est pas compris encore. Si, j'y crois vachement. Je crois que le monde de l'e-sport va changer grâce à League of Maiden. On va tout révolutionner. Allez, un petit coup de Dr. Pepper, les enfants. J'ai pas vu de custom par contre. Ah,
voilà, voilà. Customisation, ça c'est important. Voilà. Et on a donc là, le bougeage de boobs, regardez. C'est pas réaliste du tout, mais c'est pas grave. Boing. Boing. Qu'est-ce qu'on rigole. Alors, apparence. Ah là, il va y avoir de la customisation à fond les ballons, les enfants. Ouais, ouais. Preset de... Ah non, ça c'est la face, c'est preset de face, ouais, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien, ça. Oui, allez. On va changer. Face, j'ai déjà changé. Detail, d'accord, ça y est pas. Blend. Pas l'air de changer grand-chose, ça. Ouais, non. Avec les petits, petites taches de rousseur, c'est bien, ça. On va faire un petit zoom, tiens, pour avoir mieux. Ouais, ça c'est pas mal. Ah oui, bien pouf. Bien. Ah oui, avec du gloss. Je veux du gloss à fond, là. Ça, c'est bon, ça. Les yeux, yeux bleus, ouais. Du gloss à fond les ballons, les enfants. Pareil, faut que ça gluise. Voilà, très bien, ça. Couleur de cheveux, violet. Magnifique. Ça, c'est les couleurs face apparence. Ouh, oui, il y a de quoi faire là. Oh la vache, y'a. Ah, ici, ils sont donnés dans la customisation. Alors, sur le visage, non, on va rien changer. Hein. Ah là là, la face. Oh là. Eh, mais c'est incroyable. Incroyable. Alors, taille. Toujours des petits. Par contre, voilà, c'est ça qu'on veut. Et oui, c'est ça qu'on veut. Il y a même une section nichon. Il faut toujours une section nichon dans les jeux. Taille. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Mais arrêtez! Mais c'est pas possible. On va faire un truc bien. Ah, puis on peut regarder l'espace entre les... Oh la vache. Ouais, c'est bien ça. Même la profondeur. La hauteur, on peut faire des trucs qui tombent. Rotation. La, la giglinette, c'est la façon dont il bouge. Ah, les tétons. On va faire des tétons bien proéminents. C'est un peu trop, là, hein. Mais qui c'est ces gars qui ont fait ça, ce jeu? Non, je vais arrêter de dire là, c'est un peu par contre, Perkiness, ouais, là, à fond, là, on y va. Ouf, ouf, ouf. J'espère que c'est des armes de destruction massive, sinon. Mon dieu, mais mon dieu. Ah, les fesses, pardon. Voilà, on va s'occuper des fesses maintenant. Oui, oui, c'est pas, oui, c'est pas mal ça. On va mettre tout à fond. Je sens que je vais mettre tout à fond. Butt space, ouais, non, bof. Voilà. Pareil, Gilliness à fond. Voilà, il faut que ça remue bien. Sinon, c'est pas drôle. Et puis, évidemment, une taille minime. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des ailes? Ouais, des ailes, ouais, ça doit être dans les options. Il y a un shop, évidemment, le jeu est gratos, il va se faire énormément avec les customisations. Évidemment, tout ça, c'est. Va falloir payer les enfants hein, pour acheter. Ça, on n'a pas, on doit avoir jusqu'aux cheveux et encore. Ouais, voilà. Bref, à la limite, on s'en fout. Caractère info. A name. Voilà, pouf. Confirme, création complète, thumbnail, ah non, le thumbnail il est là, voilà, comme ça là, parfait. Alors, je m'en fous, oh la vache, oh. Où je vais être complet. Mon dieu, j'ai horreur de ça. Non. Ça me rappelle les jeux sur téléphone. Être harassé de pubs. Ok.
Alors. Ah, j'ai un flingue, j'ai une sorcière. Merci, c'est le tuto. Il est plus sympa que le trombone de Word, le personnage de tuto, là, je trouve. Il devrait mettre ça dans, dans Word et dans PowerPoint. Ok, alors WSTD, ouais, c'est bien. Shift pour sprint, très bien. Et. C'est ok. Ok, on y va. Welcome aboard, cadet. My name is Private Williams. Ok. You've got a long day ahead of you. C'est quoi ta voix So, let's get started. First, ouais. You'll need to get checked in. You'll find the registration upstairs in the dormitory. I hope this doesn't come off in the wrong way, but I sure do feel a lot safer with your kind around. Mais qui suscite ce racisme ordinaire, Private Williams? Didn't mean any offense by it. I'm just happy to have you around with the craziness going on in Freedom City. Anyway, good luck out there. Merci, privé. Allez, on accepte la quête. Ouh, il y a une grosse flèche. Excellent. Et c'est en haut. C'est un ascenseur, ça? Ah, je peux pas sauter. Donc, ouh, il y a des pubs à la Cyberpunk. Hein. Seuls les plus forts vont survivre. Oui, bah oui, là, vu comme ça. Seuls les plus forts vont survivre. Très bien. Alors, attends, du coup... Il y a un ascenseur quelque part, il y a un truc, non? Que la flèche, c'est sympa, mais... Ah, oh, on a les mêmes nichons, bonjour madame. Attends, je vois un escalier là-bas, peut-être c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. La minimap est pas mal, par contre. Hein. Ah non, ça c'est la sortie. Ah, je vous l'ai dit, en première quête, je suis déjà paumé. Cours. Oh, ça... Les courses à la Naruto, magnifique. Welcome aboard, cadet. Ouais, ouais, alors c'est là-haut, là. Mais... Ah, il y a des douches. J'ai trouvé les escaliers. Welcome to the dormitory. My name is Eiko. How can I help you today? Ah, yes, I see. I believe Dr. Fang is expecting you. Let's get you checked in and registered, shall we? Okay, so today is... yes. And the time... Right. Okay, your name? Je m'appelle Pouf. Okay, great. That just about covers it. You're all checked in. Dr. Fang will be waiting for you downstairs at the treatment center. Head over and introduce yourself. On your way, feel free to say hi to my sisters Echo and Aiko downstairs. It's their first day and... Non mais oui, je vais aller voir tes sœurs. Working as vendors for the UNDC is a big step up for them. Feel free to say hello. That's it for now. If I can be of any further assistance, feel free to come back and see me. Merci, Yaku. Boing, 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 boing. Ouh, un reward cosmétique magnifique. Alors, où c'est qu'il est, le... Ah bon, bah, mais je vais aller voir les douches, d'abord. Normalement, on peut rentrer, là. Ah, évidemment, c'est un supplément, le shower pack. Ils vont tout vendre. Ils vont tout vendre, les mecs. Alors, faut que j'aille... Caractère et customisation, lui, pour récupérer notre nouveau cosmétique. Très bien. On s'en fout un peu, ça. Attends, nouvel truc à se mettre sur la tête. Par contre, je sais pas qui a designé cette base, mais c'est très mal fait, mon gars. Faire le tour 10 fois pour aller chercher la... les escaliers. Ok, c'est là-bas. Ah oui, le docteur machin chose. Docteur Fang. Welcome, cadet.
Bonjour. Ouh, tu es très grande, Dr. Fang. Ça me rappelle un film. My name is Dr. Jiang Li Fang. I oversee the physical and psychological well-being of our new cadets. We're working under the jurisdiction of the United Nations Defense Council. D'accord. UNDC for short. It is their efforts in Project War Maiden that has allowed us to run trials on willing candidates, such as yourself, to pinpoint and manipulate genes, elevating you to meta-human status. Or what we'd like to call beyond human. When it comes to your physical, psychological, and intellectual attributes... Yes. Ah, je suis une superhumaine! Average woman, you are stronger, faster, smarter, and more resilient. Sure. Like a superhero. C'est con que nos propres voix soient pas modélisées. Hein. C'est un peu con, ça. Peut-être que ça viendra plus tard. All female. Consider yourself as being one of the lucky ones. Don't get ahead of yourself, cadet. There's a few requirements before you run off and fight the bad guys. But when you're done here, you'll report to Major Frost. She's better suited to answer that question. This is what I can tell you. As a cadet, you are to continue your training under the supervision of instructors, as I follow your physical and psychological development. As soon as I deem you ready for active duty, you'll be a part of the Freedom City Rescue Recon. Excellent. Great. Let's get you to lie down on the bed for your first treatment. Ah. Yes. These treatment beds are designed to administer... Allonge-toi sur le lit pour ton premier traitement. A serum designed to help your body adapt. Le Tessagène X. Les noms qu'ils vont trouver. Tessagène X helps with the transition. I hope you're not afraid of needles. Non, non, j'ai pas peur des aiguilles, surtout les grosses. Bon, j'arrête. Besides, you're a superhero, right? Ces jambes qu'il a. Ok. Alors, c'est parti, on va sur le lit. Et on tape 1. Ah, oh, le pouvoir. Oh. Ça rebondit. Qu'est-ce que vous allez faire? Great. Victoire. C'est facile. Good job. Ouais. Ah, il m'en fout peu, ouais. Elle me regarde même pas dans les yeux. See? That wasn't too bad, right? That'll be all for now. Your next stop is the gun range, where you'll meet... Well, just head over there. This is where it starts to get interesting. Ok, j'ai un light cube, un dark cube, des trucs pour acheter des machins. Alors, faut que j'aille maintenant au shooting range. Et donc on va y aller, on va s'entraîner à tirer. À l'arme. C'est par là. Voilà. Et sinon, j'aime bien cette minimap. C'est par là l'arme, mais normalement c'est en bas. Hein. C'est en bas. Alors comment est-ce qu'on y va? Par là, je pense. Ouais, c'est par là. Ouh, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est quoi cette musique? Happy musique de film de boule des années 90. Hey there. Ah, bonjour. So you're the new cadet, huh? Nice to meet you. Oui, c'est moi. Potty mouth. Yeah, it's just a nickname, you know. I tend to drop. Ils sont toutes super grandes. Hein. C'est moi qui suis petite. Language gets colorful, so make sure no kids are around. Got it? Great. So let's get started. Each new cadet is equipped with a service rifle.
You can access it by using either the 1, 2, 3, or 4 keys on your keyboard, depending on the class that you selected. Most classes start out with a different rifle. If you don't have a rifle, rapid-fire projectile is your go-to skill. Hey, don't be a fucking idiot. You and I both know what's happening here. Best we just get through this so we can get to the fun stuff, okay? Ils font des blagues en plus. Fast learner. Let's get to it, shall we? Pick a lane. Any lane. Minimum score to pass is 25. You can score by hitting the target's center chest or the head. Got it? You'll need ammo and a few range tickets to get the session started. You can pick them up at the table over there if you haven't already. Use up those tickets and you'll have to find a vendor to get more. Good luck. Ok. Blablabla, c'est pour reload. Switch on another gun. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Allez, start. J'en ai aucune idée, alors on dépense des trucs là, j'ai un ticket, je dépense mon ticket. Ah, ah. Ok. T'es dedans, arrête. Ok. Bon. Ooh, not too bad, cadet. Not too bad. There's hope for you yet. Next stop is attack training, upstairs. On your way, you, might want to access the keyboard guide on your desktop. No, 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 not that desktop. Oh, jeez. I mean the one you access by hitting the escape key while you're in the lobby. Yeah, that desktop. Your desktop has a lot of neat features that you want to take the time to explore. You can access your loadout from there as well. Yeah, you know, it's where you'll go to upgrade the gun you just fired. Whew, yeah, anyways, use the loadout interface to unlock, craft, and upgrade your skills, perks, and abilities. Oh, one more thing. I'm the equipment manager here. Come back at any time if you're looking for gun upgrades, ammo, or anything else in that department. Head upstairs and find Private Meeks to get started on attack training. Good luck out there, cadet. You're going to need... Okay. Ouais. Y pour le loadout. Ouh, avec les hachés les fesses de l'instructeur. J'y comprends rien. Donc ça c'est moi. Dark Passenger, ok. Damage, ok. Upgrade, on s'en fout. Est-ce que je peux upgrade le Dark journée? M2 skill, donc ça c'est la l'assaut rifle que j'ai. Le skill du cul, lightning skill, ok, je pense que je chope. Très bien, ça c'est e-skill, titan summon, air skill, ça c'est les skills que j'ai. Double clic, c'est skill, ça c'est un... Écoutez, on verra bien. Great. Let's give it a go, shall we? Truc qui marche vraiment comme un, un jeu de smartphone. Hein. Bah, bah, tu peux t'entraîner pour ton arme et l'augmenter une fois par jour. Je suppose qu'il y a des manières de reset le timer. Alors, je vais donc sur le blue mat ici. Et j'attaque un pour... ok.
C'est là, voilà. Ok. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Ah, c'est automatique. Sans les mains. Mais ah, ça y est, d'accord. Je commençais à me demander s'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Ah, c'était super difficile. Comment j'ai trop de skills, n'empêche. Ok, j'ai vu un truc dirty talk là. je clique sur dirty talk et ça parle d'anthème. Ah ouais, c'est super dirty, hein, c'est un thème super sexy. Hein. Ok, alors attends, je suppose qu'il faut que j'aille... On prend là, ici, là. Tac. Entraîner à la défense, aller de l'autre côté. Il y a un truc de pause en 3D. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, sur la plage, ah, magnifique. Ah, on peut régler les... D'accord. Très bien, allez. Tu ondoules ton corps. Par contre, tu vas arrêter de faire cette tête de... Ah, tu peux changer les trucs. Excellent. Alors... Ah, c'est pas mal, hein. Comment est-ce qu'on se casse? Voilà. Welcome, cadet. Dr. Fang, proceed. Colonel, allow me to introduce our latest innovation, the WM7, a Generation 7 configuration. What's the difference in this model? At first glance, you may be deceived by her appearance, but let me assure you that her looks are quite deceiving. We've struggled in the past to unlock the genomes required to adapt the human cells to specification. But today, we are proud to convey that the WM7 has reached a new height of achievement. WM7s can now, on the molecular level, be configured for classifications that directly target the objective. At the moment, we have 5 classifications and more are on the horizon. This is how we stop whatever is in the fog. With everything running smoothly, we should be ready to demonstrate her capabilities in a month's time. A month? With all due respect, Dr. Fang, I didn't come all this way just for an introduction. The UNDC has upgraded your facility with computer and treatment equipment, Alliance soldiers for security, a state-of-the-art training simulator, and much more. Time is of the essence, Doctor. In case you've forgotten, the fog is growing. Il y a de l'Oscar dans l'air, là, quand même. Hein. Ou du Golden Globe, minimum. Les missions ont résulté en complète failure. This seems like the next logical step. I believe a field test is in order. Today. Ah, ce doublage. Vas-y, Jaline, fais la fille étonnée. A decommission will be soon to follow. That won't be necessary, Colonel. As a matter of fact, I was just speaking with Dr. Fang about the possibilities of moving up the timeline on a demonstration. Sit tight. We'll be ready for a mission run demo. Ouais. Ok, magnifique. Donc, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là, juste pour la petite démo avec le début donc, de League of Maiden, le jeu des gros nichons qui se balancent dans tous les sens. Ouais, ça, c'est même pas... C'est des ballons de baudruche qu'il y a là, c'est pas possible. Bref, si vous voulez que je continue, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je voulais juste faire une petite vidéo dessus, sur ce jeu, pour me rigoler, voilà, pour me marrer dessus. Voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Moi, je continuerai peut-être de mon côté pour marrer chez moi. Mais si vous voulez que j'enregistre et qu'on rigole ensemble,
Eh bien, faites-le-moi savoir. Et donc, on ira ici, eh bien, aux prochaines, sur les entraînements de mission pour se battre, pour voilà, défourailler du Bob ou d'autres choses, je ne sais pas. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.